Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on part sur une séance Pilates toute basique, on reprend un petit peu les bases. La semaine prochaine on partira sur quelque chose debout, un peu plus dansé. Donc là on repart vraiment sur des bases, des choses toutes simples qu'on a vues depuis le début. D'accord? Bien faire pas mal d'abdos, des fessiers sur le dos. Donc j'espère que vous allez bien, que vous continuez à faire les vidéos. Donc là j'espère... Voilà, normalement il y a les fêtes de Noël qui arrivent, donc vous êtes peut-être à fond, peut-être que vous n'avez pas le temps de les faire. Essayez quand même de prendre un petit peu de temps, de le faire en famille s'il faut, mais d'essayer de garder au moins une fois par séance. Le Pilates, c'est pas très dur. Donc on est parti, je mets mon chrono. On se met sur le dos et on repart sur des basiques. Donc on va mettre les deux mains sur les genoux, pas sur les cuisses au départ. On inspire, les pieds sont collés, les aimants sont serrés. Et on expire, on monte le buste. On redescend, on inspire. Et on remonte. Et on redescend. On inspire. Donc on plaque bien le bas du dos, on serre bien les aimants. On va chercher justement à chauffer le vent. Hop. Et on redescend. Encore, on inspire. Et on redescend. Serrez bien les aimants. Poussez bien le bas du dos, avalez le nombril. Décollez bien le buste. Plus que ça, encore, on inspire. Et on monte. On relâche. On inspire. Très bien. Le prochain, on va rester là. Ceux qui ont trop mal à la nuque, vous pouvez mettre les mains derrière la tête. Sinon, on reste. On reste, on reste. Et on va faire des tout petits. 3, encore. 4, 5. Vous avez vu, il fait encore beau. 6, un truc de dingue. Dès que je fais quoi, il y a beau pleuvoir avant. Après, dès que je mets ma vidéo, tac, il fait beau. 7, 8, vous êtes mes petits rayons de soleil. Oh là là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3. Tout petit, engagez bien le haut. 5, 6, 7. Plus que 8. Et 8, serrez bien les mains. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je bloque, je reste. Je mets les deux mains derrière la tête. Je reste, je rends le ventre. Ça doit commencer à brûler. Avaler. Remontez le périnée. Là maintenant, tout de suite, tac, périnée. On reste, on reste, on reste, les aimants serrés. Et on redescend. Alors, on doit commencer à sentir déjà, waouh, que ça chauffe un petit peu. De là, les basiques, on va décoller le genou droit, pointer les orteils, hein, les crampes vont arriver normalement avant les fêtes, on n'a pas encore on s'est pas encore trop encrassé. Et la jambe gauche, bien le bas du dos, dans le sol. Et là, toujours pareil, les petits mouvements de pression vers le sol. Sauf qu'on va faire un 8 comme ça. Un 8, changer les paumes de main tout simplement. D'accord? Donc ce qui donne 3, 4, continue, souffle. 6, 7 vers le haut. Et 1, 2, 3, 4 et 5 vers le ventre. 6, 7 vers le bas. Et 3, 4, 5, 6, 7 vers le haut. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et on redescend. Bien. Si c'est difficile dans votre dos, vous repartez jambes fléchies. On fait la même chose, mais jambes tendues. Donc, on part sur la même base, posture du sang, on descend les épaules, on tend les jambes. Et, monte le buste, 3, 4 et 5, 6, 7, tenez dans les bras, en bas, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, on tourne. Et 1, monte le buste, 2, 3, pour les orteils, 5, 6, 7, 8, vers le bas, 1, 2, monte le buste, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, et on relâche, on respire, on doit sentir que ça commence à bien chauffer dans le ventre. Et on va alterner un plié, un tendu. Donc quand je serai plié, les paumes vers le sol. Quand je serai tendu, les paumes vers le plafond. Un peu de coordination. On est parti. Et 3, 4 et pointe, 5, 6, 7, tendu et vers le haut. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 vers le bas plié. 1, 2, tendu, 4, 5, 6, 7 vers le haut. Et 1, 2, descend, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, relâche. On le refait juste encore une fois. Relâchez bien, ça repart. Jambes pliées. Fufutez, fufutez. Et 4 et 5, 6, 7, tendu et le haut. 1, 2, monte et descend les jambes. 5, 6, 7, plié. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, tendu. Et 1, descend. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, relâche. Respire. On sent hein, un peu dans les orteils. On sent les abdos, donc on va maintenant tendre les deux jambes, un peu, hein. Si on n'arrive pas à tendre à fond, c'est pas grave. On va monter le buste
Et là, c'est pareil, on va aller chercher des petits vers le haut. 3, 4, tout petit. 5, 6, 7, 3, 8. Si vraiment tu as mal à la nuque, tu mets les mains. 6, 7, relevant. 2, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, plus que 8, les aimants. 8, 7, relevant. 6, plaque le dos. 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Respire. On relâche, on le refait encore juste une fois. Allez, si c'est trop difficile pour la nuque, n'oublie pas, mets les mains. Tends les jambes, monte le buste petit. 1, 2, 3, 4, pour les orteils, les aimants. 6, 7, 3, 8, 2, 3, 4, tout petit. 5, 6, 7, 2, 8, 1, et on rend le ventre. 2, et reste pas là. 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, voilà. 5, 6, 7, encore 8, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, et relâche. Waouh, respirez, soufflez. On repart posture du stand. Bien, hein, donc les genoux là. Tension souvent, moi je ne peux pas vérifier, évidemment, mais vous me relâchez votre bas de jambe. Donc vraiment, les genoux, hop, en angle droit. On part. Les coudes de chaque côté, donc les mains de chaque côté, vous connaissez. On va partir. Jambe droite, un plié, ok. Et on va faire un tendu et tu pars à gauche. Un plié et un tendu. À droite. Gauche. Droite. Descends bien. Gauche. Descends. Allonge. Encore. Et un. Tendu. Plié, mes aimants, resserre. Tendu. Encore. Et un. Tendu, encore, et gauche, allonge, et plié, tendu, droite, plié mes aimants, encore, encore, encore une fois de chaque côté, droite, allez les derniers, descend, et gauche, et descends, et reviens, et relâche à nouveau. Masse un peu le bas du ventre, détends un petit peu. Ok, on part, clac, les adducteurs, les talons ouverts. Donc on colle les poings, on colle les talons, les genoux en ouverture. D'accord? On met les mains sous le bas du dos, on fait à la Charlie Chaplin, on a déjà fait. Et on va pousser tendu. Encore. Allez, plié tendu. 3, allez. 4, donc on n'est pas vers le plafond, 5, on est d'accord. 6, on sollicite vraiment la sangle abdominale et les jambes. Premier 8, encore, allez. 1, plié tendu, 2, 3, encore, 4, 5, 6, soufflez. Et là, pas en l'air, hein, 7, pousse plus bas, 8, encore 2, 8, 1, et on serre les talons, 2, les genoux en ouverture, 3, encore, les épaules, 4, allez, on ouvre les genoux, 5, on t'enfonce, 6, 7, on est flex, plus que 8, et 8, et 7, et 6, encore, 5, 4, 3, 2, on reste les deux talons collés, les genoux en ouverture, ça sert à rien, on est relâché, vous m'ouvrez vos genoux plus, vous me lâchez pas vos pieds, montez vos pieds, serrez les talons, contracte les adducteurs, plaque le bas du dos, rentre les abdos. Encore. 8 secondes. Respire, colle les talons, serre tes talons. Ok, et tu tends, non, tu relâches pas, tu tends, tu contractes. Encore 8 secondes. Rends le ventre, les pieds sont flex. Serre tes adducteurs. Monte ton buste, pointe tes orteils. Reste, les mains derrière la tête. Pointe les orteils. Descends tes jambes. On est en dehors. Encore. On rend le ventre. On pointe les orteils. On reste. On monte. Allez. Ça tire. Encore. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ouh, on respire. On masse un petit peu le bas du dos. Bon. Maintenant, on va partir. Jambe droite, tout simple. Jambe gauche. D'accord? Donc, jambe droite. Jambe gauche. On commence comme ça. Simple droite. Ok. Donc, on va faire une fois à droite, une fois à gauche. Écoutez-moi.
une fois les deux en bas. Donc si vous partez dans votre délire de penser à autre chose, vous n'allez pas être concentré. Ce qui donne droite, revient. Gauche, revient. Les deux et ramène. Droite, colle tes aimants. Gauche, colle tes aimants. Les deux pointent le plus loin possible et ramène. Donc c'est lent. Si tu me fais juste ça, là, ça ne fonctionne pas. Les deux. Encore. Et droite. Et gauche. Les deux. Hop. Encore. Droite. Gauche. Les deux. Ok. Bon. Maintenant, tu relâches ton bas de jambe. Ça fait les bras. Tu relâches ton bas de jambe. D'accord? Parce qu'on va faire les deux. Mais on n'a pas de poids, mais on imagine comme si on avait du poids dans les mains. Ça fait 1. Je ramène. Ça s'appelle l'oiseau. 2. Donc, j'écarte bien la poitrine. Je ramène. Et quand je vais amener mes pieds au sol, triceps et je reviens. D'accord? Ce qui donne. Écarte sans poser les bras. Contracte les pecs. Écarte. Ramène. Les deux mains collées. Coude les coudes. Reviens. Et derrière. D'accord? Donc concentrez-vous. Côté, ramène. Côté, ramène. Derrière. Ça veut dire qu'il y en a deux. Un. Deux. Il y en a un seul. Tac, encore, parce qu'on va mettre les jambes forcément. Deux, hop. Donc là, j'imagine chez vous, vous allez me faire ça, vous allez me poser vos coudes, je suis sûre. Et là, vous allez m'amener les bras comme ça. Donc là, non, j'écarte, je contracte mes pecs. J'écarte comme si j'avais du poids. Tac, si vous voulez, vous mettez pause, vous allez prendre des bouteilles d'eau. Ok, maintenant, on fait les jambes avec les bras. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je vais faire travailler votre cerveau. Donc, quand ça fait pied droit, les jambes sur le côté, ramène. Pied gauche, les jambes sur le côté. Les deux pieds, les deux bras derrière. Gauche, les deux bras, les deux pieds. Tac. Encore. Droite. Gauche. Allez, on travaille le cerveau un peu. Tac. Et droite, pointez les orteils. Une petite crampe qui arrive. Et gauche. Et hop. Encore. Et droite. Et gauche. Et les deux derrière. Et là, on allonge bien. Encore. Gauche. Encore. Contracte. Hop. Et les deux. Encore. Et droite. Et gauche. Et les deux. Très bien. On repart sur la même chose, sauf que quand on va amener derrière, ça va demander un petit effort. On va tendre les jambes. Ok? Pour l'instant, plier. Plier. Gauche. Plier. Attention, je ralentis, tendu avec bras derrière et ramène. Et on contracte et on revient. Droite, gauche et on contracte et on ramène. C'est lent. Droite, gauche et on contracte et on ramène. Droite, allez. Gauche et on contracte. Serre bien les triceps et on revient. Droite. Gauche, et on contracte, et on revient, on relâche, on respire. On a travaillé comme ça les abdos, un peu les bras, même si on n'a pas de poids, et un peu la coordination. Donc on va partir simplement maintenant sur des petits, comment ça s'appelle, hein, un peu des ciseaux, enfin pas des ciseaux, mais des criss-cross, cherchez le mot. Donc le criss-cross, pour l'instant, on les fait en basique, c'est-à-dire droite, directement gauche. On ouvre le dos, droite. Jambes tendues, hein, ça, si c'est trop dur, vous pouvez faire jambes pliées. Donc, on ouvre. Allez, encore. Hop, on masse bien le bas du dos, on prend le vent. On va chercher la poitrine vers le genou opposé. On ne bascule pas comme hein, chaque fois. En cours, vous me faites des trucs comme ça, la tête. On met les mains, mais on ne tire pas sur la nuque. On descend. 1 et 2 et 3 et 4. On pointe les orteils, évidemment. 5 et 6 et 7 et 8, encore. 1, on descend les jambes. Si je suis là en haut, 3, ça ne travaille pas pareil. 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, pointe, 2 et 3 et 4, plus bas. 5, les pointes, 6, 7, je rajoute 8 parce que c'est moche. 8, plus bas, les pointes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, enfin, j'imagine que ça doit être moche. Et je relâche. Je respire tranquillement. Pour le prochain, alors si c'est difficile, vous pouvez vous remettre sur le dos.
d'accord, ce qu'on vient de faire. On va se mettre sur les coudes, un peu façon plage, mais pas vraiment. Donc, on n'est pas avachi, on tient. Et là, c'est pareil, mais sauf qu'on va 3 et 4, on pédale, 5, 6, donc je ne suis pas là, 7, 8 et 1, je me grandis, 2, 3, 4, on enlève en 5, 6, donc pas comme ça là, ouh, vers le plafond, mais vers le bas. Hop, et là, je sors la tête des épaules. T8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, allez, 8, encore. 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, et 8, tu relâches. Tu masses un petit peu le bas du dos, tu respires tranquillement. On est là. Donc, on va faire, hop, que je regarde le chrono en même temps et que je vous vois. Un petit cercle, on commence à allonger. Donc, on part sur le côté. On va aller glisser les pieds vers l'avant. Hop, on en fait 8 dans un sens. Côté, glisse les pieds vers l'avant, frôle le sol. 2, encore. Tac, alors si je fais ça là, là je masse. 3, mais c'est tout. Donc, pour aller solliciter les abdos, il faut vraiment, je suis en angle droit, je reviens. Allez, quatrième, sur le côté, je touche le sol, côté, et je reviens. Cinquième, hop, allez, je serre bien. Sixième, hop, septième, encore, serre bien les genoux. Huitième, je change de sens. Un, tac, allez, deux, boum, sur le côté, va loin devant, serre bien. Non, le bas de jambe ne bouge pas. Troisième. Allez. Quatrième. Je pense à ma petite Françoise, mais il n'y a pas que la petite Françoise. Souvent, vous lâchez comme ça le bas de jambe. Cinquième. On reste bien angle droit. Sixième. On va bien sur le côté. C'est pareil. Souvent, vous me zappez un côté. Vous n'allez pas jusqu'au bout du côté. Le dernier. Hop. Ok. On revient, on prend le temps, soit on se tourne, soit on vient. Et s'asseoir. Donc à nouveau sur les coudes. Et on fait la même chose, jambes pliées. Tac, on va glisser. Hop. Allez, en angle droit, il y en a 8. 2. Encore. Donc côté, côté, reviens 3. Côté, glisse devant. Allez, 4. Encore. Tac. Masse 5, on ne s'avachit pas sur les mains, les épaules. 6, on serre bien la sangle abdominale. 7, il fait chaud là. Et on change. Côté, 1, hop, et je vais ouvrir un peu parce que je fais trop chaud en Bretagne. 2, 3, allez, 4, 5, encore, 6. Hop, allez, 7, allez, serrez vos genoux, et 8, relâchez tranquillement, respirez. Donc, on va passer sur le dos pour faire les fessiers. On commence par des basiques. Peut-être me mettre comme ça au début pour vous, j'ai l'impression de vous voir. Alors, Anne-Marie, quand je dis ça, c'est oui, je sais que vous n'êtes pas là, mais j'imagine. Donc, on y va, on monte. 1, 2, 3, on pousse. 4, 5. Pour l'instant, largeur du bassin 6. Je ferme les yeux parce que j'ai le soleil. 7, 8. On pousse bien encore. 1, et 2, et 3. Des basiques, on chauffe. 4, donc 5, 6, 7, 8, 2, 8 encore. Et en haut. Et 2, et 3. Serre bien les fessiers. Et 4, et 5. Et 6, et 7, plus que 8, 8, serre bien, 7, 6, 5, encore, les pieds parallèles, 4, 3, 2, 1, je dépose mes pieds, je resserre, je dépose mon bassin et je resserre mes pieds. Donc là, pour l'instant, tout basique, je vais monter, je vais mettre donc ma cheville droite sur mon genou gauche, d'accord ? Le mouvement, ça va faire, je suis en bas, ça va faire, je monte, 1. Je tends comme je suis, c'est-à-dire en dehors, 2. Donc là, c'est parallèle, je vous demande en dehors. Je reviens, 3.
Je descends 4. 1, 2, 3, 4. En haut, tendu en dehors. Reviens et descends. Bloc en dehors. Ramène. Donc là, ce qu'il faut, quand je tends là, c'est pas de relâcher tout. Hein. Tac. Je dépose ma jambe tendue. Dépose et descends. Serre. Travaille vraiment le côté gauche. Descends encore en haut. Allonge. Pointe les orteils. Descends. Le bassin ne bouge pas. Je suis en dehors. Reviens et descends. Contracte. Allonge. Ramène. Il reste encore. 4. Tac. Tac. Et descends. 3. 1. Tac. Descends. Et 2. Tac. Tac. Ramène. Dernier. Tac. Tac. Reviens, descends et tu remontes. 1 et 2 et 3 encore et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Ok, je suis là, je reviens en genou parallèle. D'accord, j'étais en dehors, je suis parallèle. Et je fais pareil. 1 et 2, contracte. Et 3 et 4 et 5 et 6 et 7. Repose ton pied et tu repars. Et 1, ça doit chauffer. 2 dans l'arrière de la cuisse. 3, à gauche. 4, 5, 6, 7. Hop, parallèle, en bas, en haut. 1, 2, 3, le genou ne bouge pas. 4, pas des trucs comme ça. 5, encore. 6, 7, 8, tu reposes pour l'instant. Resserre. Monte, monte, serre, serre, reste. Colle tes aimants, tu ne bouges pas, tu restes. Allez, serre, serre, serre tes fessiers, serre tout. Respire, souris. Et déroule pour repartir de l'autre côté. Donc, je mets ma cheville gauche. D'accord? Hop, vous voyez bien, mon bassin est au sol. Le premier, c'est... Donc, je suis bien alignée. 1, je monte. 2, je tends en dehors. Pas parallèle. Hop, vous voyez bien, la hanche tourne. 3, je ramène en dehors. Et 4, je descends. Ok? Allez, on compte à partir de maintenant. 1, 2, 3, et descend, il y a 2, 8. 1, 2, hop, ça fait 2. Monte, tend, tac, et descend, 3. Tac, tac, ramène, ça fait, hop, encore. Tada, ramène, et descend. Tac, hop, ramène, et descend. Hop, hop, ramène, et descend, encore, en haut. Allonge, tac, on attaque le deuxième. Tac, allonge, ramène et descend. Serré, tendu, ramène et descend. Encore, et 3, talam, ramène et stabilise bien. Je suis là, descends et inspire et souffle. Inspire, descend, inspire et souffle. Inspire, encore 4, 1, tac, et 3. Tac, et 2, boum, tend, ramène, essaye de travailler en dehors, tac, 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 descend. Ok, de là on va rester 1-8 en dehors comme ceci, d'accord? Donc on essaye vraiment de bloquer au niveau du bassin, plaque, ne prends pas dans le dos, hein. Le bas du dos il est hop, et on serre, grande amplitude, en haut, en bas, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, parallèle, bouge pas, en bas, en haut, en bas, ça bouge pas, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, passe, tac, en bas, en haut, 1, serre bien, 2, 3, encore, 4, 5, 6, 7, parallèle, et en bas, en haut, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, allez, monte, 7, 8, pause, serre tes aimants, genoux serrés, fessiers contractés, adducteurs, comme si on mettait un coussin, un truc entre les deux genoux, serre tout et reste, rends les abdos, souffle, encore, 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 respire, allez, respire, respire, serre tout, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, de là, tu restes, écarte un tout petit peu les pieds, t'as pas relâché les fessiers, et t'écartes juste les genoux. 2, 3, travail des adducteurs. 4,
pas comme s'il avait déjà mal aux adducteurs. 5, 6, encore 8, allez, 1, 2, 3, Tony, 4, 5, 6, 7, 2, 8, 2, on serre, 3, le bassin ne bouge pas, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 7, travaille comme ça, intérieur des cuisses, fessiers et ischio, plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tu bloques et tu fais des tout petits, tac, donc là les fessiers sont en béton, et tout petit, 2, 3, tu papillonnes, 4, 5, 6, 7, serre les fessiers, monte au maximum sans prendre dans le dos, souffle bien, 2, 8, encore 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 5, 6, encore, serre bien tout, 5, 6, 7, tu bloques, tu bouges plus, tu fais petit bassin en haut, 2, 3, 4, les genoux en ouverture, 5, 6, 7, 8, bassin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu bloques, tu reviens parallèle, tu montes, tu restes, respire, reste, allez, tu bloques, tout petit rebond, parallèle cette fois-ci, 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, là on sollicite moins les adducteurs parce qu'on n'a pas collé les jambes, et les genoux sont parallèles, d'accord, donc on va plus chercher au niveau des ischios et des fessiers, hein, d'accord, même si on sent un peu les adducteurs, on les sollicite moins. Encore. Tout petit, un peu les lombaires, hein, c'est normal aussi, travaille un peu le bas du dos, plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tu bloques. De là, tu montes tes bras. Par contre, ça ne bouge pas dans tes jambes, d'accord, tu serres. Et tu fais des petits, tu croises, 1, 2, 3, 4, allez, hop, bras tendus. Tout petit, croise, serre, lâche pas tes fessiers. Hein. En fait, je fais diversion pour que vous ne sentiez pas vos fessiers, mais le but, c'est les fessiers. Mais... Alors, si tu fais ça avec les bras, ça ne sert pas à grand-chose. Croise, l'avant des bras se croise, bouge pas dans les jambes, serre tes fessiers pour autant. Encore, 2, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus que 8, serre tes fessiers. 5, 6, 7, 8, descends les bras et tout petit fessier rebond. 1 et 2 et 3, 4, tout petit, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, ça doit commencer à bien chauffer dans les jambes, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, même si c'est pas très très dur, mais ça doit quand même chauffer, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, comme c'est les périodes de fête qui vont arriver, je sais que vous avez plein d'autres trucs à faire, déjà si vous faites les vidéos, merci, si vous regardez, ça veut dire que vous les faites, au moins vous les regardez, c'est déjà pas mal, parce qu'on se donne beaucoup de mal, et pendant les fêtes, j'ai un peu allégé, à part le Tabata là qu'on a fait, mais c'est plus facile quand même. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bloque tout. Et relâche enfin tes fessiers. Ramène tes genoux. Détends. Donc là, on va venir se mettre, si on peut, sur le ventre. Ok. Je regarde mon chrono quand même, qu'on ait le temps. Alors, c'est un nouvel exercice. Je crois qu'on ne l'a jamais fait en cours. On a dû le faire l'année dernière. Donc, on va voir si ça fonctionne. Alors, attendez. Est-ce que peut-être dans ce sens-là, je ne sais pas trop, pour que vous voyez bien comment je vais le faire. Alors, il n'est pas dur. On a les jambes serrées. Ça va travailler votre dos, vos fessiers, vos lombaires. Les deux mains sont comme ceci, les coudes sont relâchés. On est là, c'est plutôt agréable, on a presque envie de dormir. Donc là, on va tourner la tête à droite au départ et on va venir taper trois fois, donc les genoux serrés, les pointes, vers, enfin on essaye comme si on voulait toucher les fessiers, ce qui donne 1 en contractant, 2, 3, et au quatrième, on va venir attraper ses mains et soulever son buste, d'accord? C'est pour travailler vos lombaires et vos fessiers. Donc quand je repose, tac les mains, les coudes, je tourne ma tête de l'autre côté et on fait 1, on serre les fessiers, 2, 3, et on allonge. Encore, mélange pilates et yoga. 1, 2, 3, serre bien. Et on redresse. Encore. 1, 2, 3. Hop. Serre bien. Là, tu dois contracter tes cuisses. Essaye de décoller les genoux du sol. Tac. Donc, si je fais ça, là, regardez-moi. Là, ça ne travaille pas. Il faut que je tende les jambes, les décoller. Une fois qu'elles sont décollées, j'essaye. Donc, je contracte. Hein, et je contracte. 1,
2, 3, et j'allonge. Et je change. 1, 2, 3, et je reviens. Et 1, peut-être que les crampes peuvent arriver. 2, et je reviens. Encore. 1, 2, contracte. Dernière. Et 1, 2, 3, et allonge. Ok, relâche, pouce sur les mains, viens t'asseoir. On va finir juste par un dernier exercice. Hop. Alors, on va se mettre sur le coude au départ. On va le faire une fois sur le coude, une fois sur la main. Comme ça, ceux qui ne pourront pas. Donc, si ça glisse sur le tapis, vous l'enlevez. Vous n'avez plus besoin du tapis. Parce que vous allez me faire l'excuse, mes jambes glissent, mon coude glisse, comme d'hab, toujours des excuses. Je vous aime quand même. Donc, on est là, le coude aligné. On monte le bassin. Ça, vous connaissez. Sauf que là, on va aller dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec ma main, j'enroule. Qu'est-ce qui se passe, je regarde. Et je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Hop, ok. Donc je vais chercher à enrouler, regarder derrière et revenir. 3, encore. Enroule, 4, enroule, 5. Il n'y en a que 8. Tac. Allez, 6, serre ta taille, rentre ton ventre. Là, ça serre là. 7, là, dans tes abdos. Je peux enlever mon t-shirt parce que comment dire que j'enlève trop mon t-shirt. Et 8, et je reste. Je reste, je reste, je monte. Là, je vais pousser les côtes vers le plafond et je reste. Pousse, rentre tes abdos, avale ton nombril. Pousse les côtes. Je redépose. Je reste. Encore un 8. Ceux qui ont des problèmes d'épaule, vous ne cherchez même pas à faire l'autre. Sinon, je fais la même chose, mes bras tendus. Ça ne change rien. Donc, j'ai le bras dans le prolongement. La main dans le prolongement de l'épaule. Toujours attention, hein, pas la main trop devant. Et de là, je regarde qu'est-ce qui se passe. 1. Et je reviens. Et 2, je pousse à fond, encore, et 3, j'essaye de ne pas trop amener le bras en arrière, et 4, je sais ce que vous allez me dire, ça glisse, ça machin, 5, tac, on revient, 6, allez courage, il n'y a plus qu'un côté, va voir ce qui se passe, 7, allez, fortifie l'épaule, 8, on revient, en planche sur les mains, allez, serrez les fessiers, rapprochez les omoplates, tel un guépard. Et on relâche. On se met sur le côté opposé, c'est les derniers, 2 x 8, c'est fini. Allez, sur le coude, on monte, tac, trouve son appui, allez, 1, et oh, je me casse la figure, je reviens, 2, tac. 3, et je reviens. 4, et je reviens. 5, regardez bien ce qui se passe là, sous le bras. 6, descends pas le bassin. 7, tac. 8, et je pousse, je reste. 8 secondes, monte. 7, avale le nombril. 6, 5, reste, pousse, pousse plus haut. Et je redescends. Quelle idée j'ai eue. Sur la main. Courage, 8 encore, allez on monte, 1 trouve son équilibre, de toute façon je vais rentrer en caméra, et je reviens, hop, et je reviens, 2, ne me faites pas rire, hop, et je reviens, hop, on stabilise, il n'est pas facile celui-là, et 4, tac, et 5, monte le bassin, 6, on y est, encore, j'ai un peu la main trop loin. Et 8, je reste. Tac, tac, tac. Et je relâche. Waouh ! Relâchez vos épaules, détendez. Respirez bien. Allez, on finit juste comme d'hab en tailleur. Juste un petit étirement côté. On revient. On étire un peu devant. On revient, on étire un peu côté. On n'a pas trop forcé, juste bien. On revient, la main sur le genou, on tourne. On revient, on tourne. Un petit dos rond, on souffle. On revient. On enroule les épaules. 1, 2, 3, 4. On respire calmement, on ferme 30 secondes les yeux.
et on ouvre les yeux. Marie peut venir. Donc, je voulais aussi remercier Marilyn qui est là, car grâce à Marilyn, bah, vous avez pu avoir les vidéos, même si on fait attention à tout ça par rapport à, évidemment, Covid. Mais s'il n'y avait pas eu Marilyn, vous n'auriez pas vos vidéos parce que j'ai pas la fibre, j'ai rien. Donc, Marilyn était là pour faire les vidéos, pour, voilà, pour pouvoir les envoyer au plus vite. Donc, je voulais absolument la remercier. Je vous embrasse. On vous embrasse. On vous embrasse. Je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse tous et toutes. Et puis, à très bientôt. Voilà. Bah, elle a tout dit. Donc, normalement, il y a les fêtes qui arrivent. Passez des bonnes fêtes. Continuez à regarder parce que je me donne. Mais elle se donne. Elle prend le travail. Elle, moi, je ne travaille pas, mais elle travaille. Donc, elle se donne du mal. Donc voilà, donc faites les vidéos, voilà, je vous embrasse fort, 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 prenez soin de vous. À plus.